Allez, c'est parti. Salut YouTube. On est parti pour la suite de Dead Space. Ah, ils ont des lance-roquettes. Il manquait plus que ça. Ah, est-ce que je suis obligé d'aller par là? Exact. Allons-y. Tous des lance-roquettes? Faut pas les voir. Ok. Encore limite le bug des cadavres qui volent. Ça c'est pas mal. Tu cherches le Codex! Arrêtez-le! Il est là! Ouh, il y a des nécromorphes avec. Aïe. Aïe! Saloperie. Ah bah non, il l'a tué. Bah il m'a rendu service. Ah mais en fait, c'est pas du tout là. C'est pas du tout là. Oh. Ah non, je crois que c'est un ennemi. Il y a encore le vaisseau là-haut. Est-ce qu'il va larguer des soldats ou pas? J'en ai pas l'impression. Oula! Bon là on est vraiment rentré dans la partie action du jeu. Là il n'y a même plus de... On va essayer de vous faire peur ou quoi, c'est... C'est baston. Baston. Ah, mon cap qui fait de la merde. Alors, que se passe-t-il? On n'a jamais été encore ici. Alors j'ai les nécromorphes et en même temps les hommes de Danik. Super. Et il peut pas attaquer les hommes de Danik, les nécromorphes? Pour moi, on servit. Hey, arrête de bouger. Autant que le lance-sonde, il serve à quelque chose. Bon. On a l'habitude. Ah mais non, mais j'ai pas de maca charognard. C'est vrai. Oh, j'ai failli pas le voir lui.
Encore. Ah. Putain, mais ils sont casse-couilles. Je peux pas m'occuper de tout le monde en même temps. Oh, je l'ai touché. Ouais, c'est bon. Quel merdier. Ah non, le bruit que l'on entend, c'est juste un cadavre. Alors. Non, non, c'est vrai qu'ils sont inversés. Ok, faut pas que je me gourre. Hop. Voilà. C'est bon ? Ça va être bon. Épisode 16, le secret des profondeurs. Descente souterraine. Alors voyons voir combien j'ai de... Ah. Ah, c'était juste pour ça. Il est parti. Pas d'autre chemin. Je descends avec ces quatre. Faites marcher l'ascenseur. Ah, mais c'est Carver, d'accord, c'est un... Je suis pas ingénieur, moi. Essayez au moins le bouton. Appuie sur ce putain de bouton. Mais je sais pas ce que ça va faire. Essaye au moins. Ah là là. Petit bâtard. Ah oui, j'ai 3 dans le coup. Ok. Ah, nice! Ticket de ration. Nice. Alors, j'aimerais bien me fabriquer une nouvelle arme. Du genre. La persuasion, ça serait pas mal. Voilà. Je tente la persuasion. Alors, la persuasion. On va l'améliorer. Bah, déjà fou l'améliorer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? D'accord. Elle déjà fou l'améliorer. Alors, c'est quoi le délire? D'accord, un shotgun. Et l'autre, c'est. Mitraillette simple? Non, d'accord. Ok. Entendu. Bon allez. On descend. Ok. Oh merde. Oui, ça va faire. Oh, comment ça fait mal. Oh, c'est génial. En fait, je voulais juste tirer avec la mitraillette. Et d'un coup, il la tire au pont. Putain, quasiment one shot. C'est beau. Parce que c'est des munitions incendiaires. Stylé. Allez hop. Calibrage du poids en cours. Le transport reprendra dans quelques instants. Attention, tenez-vous prêts. Reprise des opérations. Reprise des opérations. Hein ? Yezako ? J'ai pas compris là. C'est vrai que j'ai pas compris. Hein ? Ah, y'a un ascenseur, d'accord. Isaac,
Jack, moi vite! Vous allez vous faire tuer, ça ne résoudra rien! Norton disait vrai sur un point. C'est un aller simple. Et si je dois mourir sur ce glaçon, Danik m'accompagnera. La dernière chance. Le tout pour le tout. Mais c'est pas grave, c'est rigolo. Oh, j'ai failli pas avoir la pièce. Bon, bah on est reparti, hein. Petite descente. Ok. Ah. Ça mange. Oh, je l'ai eu. De lance patate. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un accélérateur. Aïe. Ah. C'est tellement chiant, les lance-missiles. Ah oui, c'est le one shot. Pété. Allez. Ok. Encore un EEI. Oh là là. Ouais. Merde. Voilà. Ce n'était pas la solution. Nous nous sommes trompés. La source du signal, c'était la Lune. Quelle folie. Ne faisons plus qu'un. Arrête là. Ce ne sont que des appels au secours, des demandes d'aide que nous avons aveuglément suivies. C'est pour que vous voyez les sous-titres. Bon. Nouvelle tenue disponible à essayer. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle tenue? Tenue d'élite. Oh. Essayons là. Ah, attendez. Est-ce qu'on a le troisième œil? Eh ben voilà la tenue Splinter Cell. La voilà. La voilà le jeu de monde. Oh. Faut que j'entends.
saloperie. Allez, on descend. What the fuck? Ouais, qu'est-ce que... Ok, nouvel ennemi. Les mines. En fait, on dirait les bébés qu'il y avait dans... Dead Space 2. C'est carrément ça en fait. Deuxième arme serait peut-être plus efficace. On dirait une araignée buff. Ah non, ça a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow. Ok, je l'ai eu. Heureusement que j'ai bien amélioré mes armes. J'aime bien, c'est qu'il y a une nécromorphe à côté, mais il me tire dessus quand même. Logique, sur 20. Ok. N'hésitez pas à me dire hein, si le jeu est pas assez fort, bien sûr. Ok. Ah. Ça pue. Ouais, je vous le dis, ça pue. Vas-y, passe devant. Ah, ça cavale ces trucs. Oh merde. D'accord. Attends, j'ai presque plus de munitions là. Oh merde.
Ça va être coton. Ah non, d'accord, il s'est fait broyer. Oula. Oh merde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord. Aïe. Ah putain. Aïe. Quel enfer. Où sont tous les autres? Tous morts. Isaac Clark, il les a tués. Vous n'avez qu'à appeler des renforts. Par où ils arriveraient? Nous ouvrirons les systèmes de ventilation d'ici. Vous, ouvrez la voie au vaisseau. Épisode 17, étrange cité, les ruines aliens. On en est déjà? On a déjà fait un épisode? Isaac, ça va? Voyons. Carver, c'est lui. Il va vers la machine. Arrêtez-le. J'essaie. Pénétrer dans la ville. On se croisera en route. Ah, parce que vu que je suis pas en coop avec quelqu'un, du coup, on le croit. En fait, c'est bien ce qu'ils ont fait, c'est que dans le coup, ils ont fait des dialogues supplémentaires. En mode, on se retrouve à tel point, tel lieu. Où ils s'insultent aussi. Ça peut arriver. Voilà. Et jamais à court de munitions comme ça. Du coup, j'ai masse munitions. Pourquoi il y a un pupitre? C'est cette lune informe en orbite qui contrôle tous les monolithes. C'est l'étape. On est où dans le jeu? Bah on est à l'épisode en fait, 17. Dans le coup, on arrive aux ruines aliens. Destinée à figer la formation de la lune. Mais ça ne suffit pas. Même incomplète, la lune est parvenue à transmettre son signal au monolithe. Et c'est loin. Donc je pense qu'on est vers la dernière partie du jeu. Un réseau à travers les étoiles. Une fois complète, chaque lune vient se connecter et prévient les autres. Alors si celle-ci devait s'achever, ses sœurs viendraient ici pour se nourrir. Mais gardez espoir. Les natifs n'ont pas fini la configuration. La machine ne devait pas figer la lune. Elle devait la détruire. Trouvez le codex. Il vous permettra d'accéder à la machine et de la reconfigurer. Suivez ma piste au cœur de la machine et mettez un terme à tout ça. D'accord. Carver, vous entendez? La machine peut briser la lune. Il faut la configurer correctement. Et Danik? Stopper Danik ne suffit pas. Il faut rapporter le codex. Lui seul permet de configurer la machine. Mais Serrano a bloqué le passage avec des sortes de symboles. Je vais essayer de les déchiffrer. Ok, on doit essayer de... D'accord. Alors dans le coup, il faut que j'essaie de faire un message. Lecture. Pas ça. Alors, comme... Ah, d'accord. Traduction alien. Ouvrir. Ouvrir. Oh là là, limite, il peut me falloir un papier. J'ai pas de papier. Super. Alors. Deux vers le haut, un vers le bas et un comme ça. On va voir si j'ai bien compris. Donc celui-là, c'est bon. Ça. Et ça. C'est bien ça. Ok, je pense qu'il va falloir s'en souvenir. Oui. Tour. Bien. Ah.
Alors, ça c'est ce qu'on avait vu dans la vision, dans le labo. Oh, Dieu. Putain de merde. C'est sûrement le programme. Mais ça doit être la machine. Alors on est arrivé. Ouais. Le bien, c'est qu'on entend un bruit strident derrière, je sais pas si vous l'entendez, mais... En fait, ça vient de la porte. Je dois mourir. Vous finirez le travail, ok? Nous le finirons, Carver. Vous et moi. Oui, mais... Si jamais... Je vous ai quand même bien aidé. Ça jouera en ma faveur à la fin, non? Hein? À la fin? Pourquoi tu veux une rédemption? Me racheter. J'ai fait des erreurs. Oh, taisez-vous, Carver. Taisez-vous. Tout le monde en fait. J'ai laissé tomber mon fils. Torpillé mon couple. Isaac, j'ai tué Santos. J'ai le droit de m'en vouloir, hein? Ah, maintenant t'as des regrets. Mais est-ce qu'elle est vraiment morte, Ellie? Ça, on le sait pas. Par là, sous cet écran. Hé, c'est Danik. C'est pas trop tard. Plus de retour possible. Reprenons le codex. Et donc, il va où, lui? Ah, juste, il sort de l'écran. Ah oui, bien sûr. Ils ont trouvé un moyen pour nous séparer. Ah, c'est bien fait. C'est bien joué, ça. Ouais, ce bruit strident, ça vient de là. C'est de la merde, hein. On est d'accord. Oui. On va regarder ça. Ok. Danik, arrêtez ça. Isaac, c'est bien vous? Vous êtes terriblement difficile à tuer, en êtes-vous conscient? Danik, que savez-vous sur la Lune? Vous savez ce que c'est? Ce doit être une des merveilles de l'univers, je présume. Cette chose est vivante. Elle a faim, et elle n'est pas toute seule. Si vous coupez la machine, c'est... elle sera... Pourquoi un explosif? Elle réunira ses semblables, elle trouvera un monolithe, et elle nous tuera tous! Comment pourriez-vous connaître mes intentions? C'est uniquement votre ignorance qui vous effraie. Danik, écoutez! Danik, vous m'attendez? Il m'a raccroché au nez, cet enculé. Ça va chier! Bon, pour l'instant, j'ai pas vu de nécromorphe. Ah! Tirez! Tirez à vue! J'ai vu des lasers. Là. C'est fort la persuasion. Où je l'emmène où ce truc là? Ah, y'a Carver là. Y'a Carver? Non. La manette qui s'est déconnectée. Toute seule. Bon, qu'il y a plus que ça. Ah, il en faut une deuxième. Isaac, il se fait la malle. C'est bon, j'ai un plan. Ah, tu as un plan. Intéressant. Est-ce qu'ils vont me tirer dessus? Ça a pas l'air. Mais pourquoi ça a explosé? Ah oui, d'accord. Oh, Carver! Oh là là! Oh là 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 là! C'est de la merde! Ouais! Hérétique!
Hérésie! Qu'est-ce qui se passe? Par ici! Par ici. Et merde! On se retrouve à la machine! Hein, il est où? Oula, il y a des aliens de partout! Oh, je le sens mal cette histoire! Oh, ça va commencer à être le bordel! Bah heureusement que j'ai des dégâts. D'accord. Alors j'ai pas bien vu si c'est lui qui faisait popper les bombes. Les B-bombes. Pourquoi y'a un ascenseur là? Nos équipes rassemblaient les meilleurs soldats et les meilleurs archéologues. Ce qui leur est arrivé fut pour nous un avertissement. Comment sont-ils arrivés? Pourquoi ça? J'ai placé leurs cadavres dans un enclos sécurisé. J'espère y trouver des réponses au sujet de leur maladie, mais aussi au sujet de ce qu'ils ont trouvé là-dessous. A dû tomber sur quelque chose d'important. Quoi que ce soit, c'est caché dans une zone sécurisée du stockage d'artefacts, là où les scientifiques rangeaient ce qu'ils avaient trouvé pendant leur fouille. Ont-ils découvert des informations sur cette machine extraterrestre? Je devrais aller voir. En vrai, on peut le faire. Même si, bon, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais alors. On verra bien. Quoi, il y en a des tabous? Tellement de ressources. Ça n'a aucun sens, j'ai tellement de ressources. Ah. Ah mais faut que j'aille où? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que... Ah, je défends tout ce qu'il y a d'orange. Je sais pas ce que c'est, mais c'est mort. C'est quoi ces machines au sol? Alors que je vois une autre bébête. Ah non, ok. Qu'est-ce que c'est? Le son grésillé. Ah bah. Il faut que j'aille où cette fois? En haut? En bas? Toujours en bas? Ok. Oula! Je sens que le retour va pas être aussi simple. Oh, va falloir s'amuser encore. Traduction alien. Guerrier. Pourquoi guerrier? Ah, attendez, je veux le revoir. C'est... J'ai pas bien vu. Ok. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais d'accord. C'est que du lore. Je
Heureusement que j'ai la persuasion avec moi. T'as vu, hein? C'est bon? Quel enfer. J'avoue que j'ai réagi un peu vite. Mais bon, ces trucs, on dirait plus des tanks qu'autre chose. Là, je préfère tirer avant et réfléchir après, vous voyez. Ah mais ça arrive à l'infini ou quoi? Pourquoi y'en a autant? Je me demandais putain, pourquoi ça se marre et tout. Alors qu'en fait c'est juste qu'ils ont tous popé au même endroit. Et puis voilà, ils ont juste popé tous au même endroit. Tout simplement. Ah, on va prendre un nouveau mot. C'est quoi cette fois? On a appris guerrier. Final. Final. Et pourquoi? Pourquoi c'est... Pourquoi on apprend ça? Ça va nous servir en vrai? Final. Final. Ok. 2, 1, 2. J'espère que ça va vraiment nous servir parce que c'est juste pour du... L'or... Okay. À quoi ça sert ces trucs là? Ah bah... On est retourné là? Bah je fous. Ouf. Wow. Ah bah ils s'explosent eux-mêmes. Hein? Je peux même pas le toucher. Oh, ok, t'as gagné. Ah là. Encore un? Ok. Je pense que je les ai tous eus. Alors. Il la rend. Il y a des trucs radioactifs.
Oh non. Oh non, tout met pas ça. On va se taper des Jackie immortels. Sacrifice. Sacrifice. Ah bah attendez, y'en a combien? 1, 2, 3, 4. Ah oui, bien sûr, mon seul moyen de me barrer. Ok. Ah, attendez. Dès que je vais l'ouvrir, va falloir courir. Hein? Ah, parce qu'il me faut la clé. Maintenant, ils vont sortir. Ils sortent pas? Merde. Ah bah si! Je me disais aussi que c'était trop facile. Hop, prends l'échelle. Saloperie. Prends l'échelle. Ah, c'est pour l'amener ici ? Ok, je l'ai. Je trace un peu, hein. Vous m'en voudrez pas. Les immortels, c'est vraiment des casse-couilles. Magne-toi. Allez, salut. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas nous suivre tout le long et qu'ils vont rester en bas. Ça, c'est vraiment ce que j'espère. Ah là là. Bon, on va faire une petite pause VOD là. A plus YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à venir sur le stream et bien sûr à partager le contenu.